Dans la semaine, la concentration, il n'y a pas de problème. Alors vous allez voir que la concentration, elle a été extrême dès le début. Regardez ces images et vous allez comprendre que l'amour des verts est toujours là. C'est pas obligatoirement les mêmes, c'est pas obligatoirement les mêmes joueurs non plus. Mais regardez ce Alonso qui embrasse le poteau. Et très vite, un garçon qui a explosé aujourd'hui, Güell, qui voit qu'au deuxième poteau, il y a Pedron, l'intérieur pied gauche de Pedron, c'est 1-0 au bout de 10 minutes de jeu. 1-0 pour les verts. Et alors là, petit manque de concentration peut-être, une passe un peu appuyée, Jérôme Alonso qui est pris à contre-pied sur ce ballon de Potillon, c'est un partout, une minute après. On a souvent l'habitude de dire attention après un but, il ne faut pas se relâcher. Bien, toute, on va dire, la colère de Robert Nouzaret qui s'exprime. Et sur cette passe remarquable de Julien Sablé, Patrick Revel pour Alex, 13e but du Brésilien, extraordinaire. Alex, heureux. Et on va voir comme ce contrôle pied droit est remarquable de la part de Patrick Revel qui voit, qui voit parfaitement Alex arriver. Il ne peut pas la jouer, Gilet, parce qu'il est mal placé. Du moins sur son pied gauche, il ne peut pas. Et Alex, formidable intérieur pied droit, c'est 2-1 pour Saint-Étienne. Corner. Et sur ce corner, on va se rendre compte que le danger va arriver très vite. En 10 secondes sur le but adverse, toute la détermination des Stéphanois. C'est dégagé par Potillon, c'est repris côté droit par Alex qui va voir que Patrick Revel est bien lancé. Et Patrick Revel qui de l'intérieur du pied gauche pique ce ballon 3-1. Encore une fois Alex, remarquable. Patrick Revel en pleine course qui de l'intérieur du pied droit pique ce ballon. Alors que ce n'est pas le pied gauche effectivement, vous avez raison. Esthétique.